beaucoup de choses. Donc, c'est un métier qui se déploie sur une gamme de produits qui est étendue. Alors moi, pareil, je vous fais un petit retour d'expérience. J'arrivais de la banque d'investissement, j'y avais passé une vingtaine d'années. J'avais fait des choses qui me paraissaient être très compliquées. Des montages, etc. Dans tous les univers, en France, dans le monde. Allez. Et quand je suis arrivé ça, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est pas très compliqué. Ces produits-là, apparemment, ne sont pas très compliqués. Le truc le plus compliqué étant peut-être les produits structurés. Voilà. Et en fait, c'est très compliqué. Il y a plein de choses complexes. Donc, pour les gens qui aiment la technique, par exemple, tout ce qui touche autour, tout ce qui a trait au wealth planning, il faut des compétences juridiques, fiscales, qui sont hyper pointues. Parce qu'on va toucher à une matière qui peut être domestique, peut être internationale, des clients qui ont des problématiques qui sont très globales. Donc, deuxième idée, en fait, une multitude de produits. Et puis, la troisième idée en haut, c'est des clients qui sont eux-mêmes assez variés. C'est-à-dire que vous avez des entrepreneurs dans la banque privée, clients, des family office, des intermédiaires financiers qui ont eux-mêmes des clients. Et puis, alors là, c'était quelque chose qui m'a, moi, amusé, d'une certaine façon, intéressé aussi, c'est que vous avez des clients qui sont des deux côtés. C'est-à-dire que vous pouvez les connaître comme dirigeants d'une entreprise, et puis vous les connaissez aussi sur leur gestion privée. Et souvent, parfois, ils ne sont pas, leur comportement, leur fonctionnement, leur raisonnement, leur façon d'appréhender les sujets n'est pas exactement la même. Et d'ailleurs, quand on les voit des deux côtés, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc retenir des clients variés, des produits variés et en fait des métiers variés à l'intérieur de la banque privée. Donc c'est un métier, la banque privée, au sens large du terme, qui permet d'exprimer des talents, de faire exprimer des talents et des compétences qui sont différents. Donc, deuxième chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est les acteurs dans cette industrie. Alors, en fait, on les a catégorisés ici en trois. Donc, vous avez les deux grands acteurs mondiaux de la banque privée, qui sont UBS et Crédit Suisse. Leur premier métier sont de grandes banques, évidemment, mondiales. Leur premier métier, c'est la banque privée. Elles sont un peu universelles, mais très banque privée. Vous avez les banques universelles qui ont à l'intérieur une activité de banque privée, c'est le cas de la Société Générale. Donc vous allez retrouver ici BNP, le Crédit Agricole pour prendre les Françaises, ABN AMRO et JP Morgan, ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez ici ce deuxième groupe de banques et vous avez un troisième groupe qu'on va appeler alors c'est en anglais la Specialist Companies, mais en fait c'est des pure play private banks. Donc là vous allez avoir Edmond Rothschild, Pictet, Coutts, Julius Baer, donc beaucoup de Suisses en fait, hein. À l'origine, beaucoup de banques suisses, et puis quelques établissements français, Neuflize, etc., qui sont d'ailleurs parfois maintenant filiales de banques universelles, donc typiquement Neuflize, filiale de la BNAMO. Donc, retenir ça. Hein, okay, deux acteurs vraiment majeurs de la banque privée dans le monde, qui concentrent à eux deux plus d'1,5 trillion d'actifs sous gestion, des universels qui ont une activité de banque privée et qui jouent les synergies autour de ça, et puis des pure play banques privées. Quand on a dit ça, vraiment, bon, on a catégorisé, mais très schématiquement. Parce que la réalité, c'est que dans la catégorie 2 et la catégorie 3, vous avez des modèles qui sont assez différents. Pour illustrer, quand vous êtes Pictet, vous êtes autant un asset manager qu'une banque privée. Regardez le bilan de Pictet, vous allez trouver autant d'asset management que les banques privées. Quand vous êtes Lombardier, c'est la même chose. D'accord ? Donc, bon, y a banque privée pure play et banque privée pure play. En fait, il y a vraiment deux. Quand vous êtes des universels, vous avez des modèles qui sont, je prends ces quatre-là, vous avez des modèles qui sont très différents. On va centrer, on va zoomer sur la France et vous allez voir l'illustration, par exemple, de la différence des business models entre Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Quand vous êtes Société Générale, vous êtes une banque privée plutôt haut de gamme, avec une segmentation qui démarre à 500 000 euros d'actifs liquides dans vos livres et au-dessus. C'est ça la banque privée de la Société Générale. Quand vous êtes la BNP, vous démarrez à 250 000 euros d'actifs dans vos livres. Vous avez deux fois plus de clients, vous avez deux fois plus d'actifs, à peu près. Hein, grosso modo, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Vous avez des stratégies qui ne sont pas les mêmes. Les clients entre 250 et 500 à la Société Générale sont aussi à la Société Générale, hein, d'accord, mais ils sont traités dans la banque de détail. Donc, en fait, l'approche banque privée peut se décliner dans une banque universelle à des niveaux qui sont différents. Quand vous êtes le Crédit Agricole, vous avez des banques privées.
dans les caisses régionales de Crédit Agricole. Et vous avez une Indosuez, aujourd'hui rebaptisée Indosuez, ancienne BGPI, qui va chercher des clients au-dessus de 3 millions d'euros d'actifs dans les livres. À l'intérieur, je reviens sur la Société Générale et la BNP, à l'intérieur de votre segmentation, les 250 ou les 500 000, vous avez des seuils. Vous avez différents niveaux. À la BNP, il y en a deux. À la Société Générale, il y en a trois. Voilà. Donc vous sous-segmentez après cette activité. Donc vous avez derrière des déclinaisons produits, services qui peuvent être différentes. Donc ça, quand je vous ai dit ça, vous voyez, j'ai démarré simple en vous disant qu'il y a trois catégories, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un métier. Alors ça aussi, retour d'expérience, par rapport à la banque d'investissement, où moi j'avais la possibilité vraiment de me benchmarker quand j'étais patron de Debt Capital Markets, j'avais des benchmarks, des établissements qui étaient vraiment faits comme nous, fonctionnaient comme nous, on avait des league tables, IFR, Euromoney, whatever, on pouvait vraiment comparer. Là c'est plus difficile, parce que les segmentations sont différentes, parce que les géographies sur lesquelles les banques interviennent sont différentes, parce que leurs produits phares ne sont pas les mêmes. La Société Générale, c'est connu. Nous, c'est les produits structurés qui est vraiment un fer de lance de notre, je dirais, de notre savoir-faire de banque privée, ainsi que le wealth planning. Il y a d'autres maisons pour lesquelles c'est d'abord la gestion. Voilà. Le marché. Alors, on va rester sur le titre, parce que la slide là est assez compliquée. On va rester juste sur le titre. Growing yet disrupted market. Growing. Alors, c'est important. Marché en croissance. La banque aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est pas forcément une industrie qui croît beaucoup, et voire croit du tout. Ça dépend des parties de la banque, mais en tout cas, globalement, l'industrie bancaire n'est pas une industrie en forte croissance ni en croissance. La banque privée, c'est un segment de l'industrie bancaire qui, en Europe, continue de croître. Entre 3 et 4% par an de croissance de la richesse en Europe. Hein, je ne parle pas de l'Asie, évidemment, où la croissance de la richesse est plus forte encore. Donc, croissante. Mais c'est une industrie qui aussi est secouée par des modifications profondes et une série de disruptions. Et les disruptions, on pourrait les regarder sous différents angles. Bon, d'abord, il y a les marchés, globalement. Là, je dirais que c'est quelque chose qui s'applique à la banque privée, mais qui s'applique aussi aux activités de marché, des grandes banques. Avoir des marchés qui baissent, c'est des actifs sous gestion qui baissent. C'est-à-dire, ça suit quand même largement, beaucoup, même si, évidemment, beaucoup de respect pour le talent de nos gérants, les tendances de marché. Hein. Donc, il y a évidemment un effet marché dans ce métier. Mais il y a aussi des effets réglementaires qui sont importants. Et c'est une industrie qui a connu des modifications réglementaires considérables dans les années passées, et donc qui a dû s'adapter à toute une série de nouvelles réglementations, échanges automatiques d'informations, MIF, Volcker, etc., etc. J'en passe, c'est les meilleurs, mais vraiment, il y a un tableau à l'après-verre. Donc, les disruptions réglementaires. Vous avez aussi les attentes des clients, parce que même si un client qui vient dans la banque privée, il va surtout chercher à protéger son capital et il va souhaiter avoir une relation que je qualifierais de chaude avec son banquier, c'est-à-dire de grande intimité, de grande proximité, parce qu'on est dans le personnel ici, hein, on touche à des questions aussi essentielles que la transmission, la succession. Voilà, il y a des sujets quand même qui sont extrêmement lourds, en fait, qui sont derrière ça. Donc, ça nécessite une grande intimité relationnelle. Ils souhaitent en même temps, ces clients, aujourd'hui, voir à la fois, je dirais, une gamme de produits qui est évidemment large, qui puisse leur être offerte, et puis aussi plus de digital. Donc là, on touche à une dimension extrêmement, à mon avis, importante, profonde, qui traverse absolument tous les métiers bancaires, mais qui n'épargne pas la banque privée, et qui est que les clients souhaitent, grosso modo, que leur banquier soit aussi digitalisé qu'eux-mêmes. Ce qui n'est pas le cas. Hein, donc ce sujet-là est un sujet important
qui évidemment rentre en ligne de compte tout ce qui touche à la transformation digitale. Et puis enfin, évidemment, plus lourd, je veux dire, comme tendance, évidemment, ce sont les tendances démographiques de fond, vieillissement de la population, allongement de la durée de vie, évidemment, accès à la, je dirais, à la richesse, si je puis l'exprimer ainsi, en tout cas un niveau de fortune qui puisse vous permettre de rentrer dans ces catégories, et qui se décale dans le temps et qui fait que ça génère évidemment une série de comportements qui eux-mêmes peuvent évoluer dans le temps. Donc vous voyez, c'est un marché en croissance, mais en même temps un marché qui a à faire face à un certain nombre de, je dirais, de modifications profondes et qu'il doit pouvoir adresser en même temps. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui, vu par moi, là, paraît être les priorités essentielles de l'industrie? Alors, la toute première priorité pour moi, c'est vraiment, absolument, la satisfaction client. C'est essentiel. Je disais tout à l'heure, c'est un métier relationnel par nature, la banque privée. Donc, avoir des niveaux de satisfaction élevés des clients, être capable de les servir avec un souci vraiment extrêmement poussé de la qualité, extrêmement important. Le prix compte, hein, et la sensibilité des clients au prix a augmenté ces dernières années. Mais la satisfaction client, c'est beaucoup plus large que simplement les conditions financières. Deuxième élément, je l'ai évoqué, on pourrait y revenir dans le Q&A, c'est tout ce qui touche à la digitalisation, les attentes. Les comportements changent et évidemment, nos clients souhaitent pouvoir trouver cela au travers de la digitalisation, digitalisation des produits, digitalisation des services, et puis fluidité entre le digital et le physique, hein. Donc, je disais tout à l'heure, la relation compte énormément dans ce métier, mais cette relation, elle peut être physique, elle peut être digitale, elle peut être les deux. Elle peut bouger dans le temps, elle peut commencer digital, switcher physique, revenir digital, et ainsi de suite. Et cette fluidité dans la relation avec le client est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on dit ça, vous comprenez, je pense, très bien. Mais après, si vous traduisez ça dans la complexité d'une organisation bancaire, ses systèmes d'information et tout, je peux vous dire, c'est voilà, c'est un grand sujet en soi. Et enfin, c'est une industrie, la banque privée, où, vous voyez, on a posé l'équation tout à l'heure, on a dit, il y a une croissance du marché, oui, mais en fait, cette croissance, elle n'est pas forcément toujours captable. Hein, donc là, le grand sujet, c'est la segmentation, la capacité à aller chercher les poches de croissance qui collent bien avec l'identité de la banque, avec ses ambitions, et qui vont faire que, en fait, on va être sur des modèles de croissance rentables. Or, ce sont des industries où le coefficient d'exploitation est élevé par nature, et donc il n'est pas forcément si évident que ça d'aller toucher la croissance rentable, donc la discipline sur les coûts, le travail sur la segmentation, l'approche véritablement, on va dire, organisée des choix est vraiment très importante. Voilà. Un mot sur la Société Générale en banque privée, une activité fondée en 1996. La banque, la Société Générale, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été fondée? Il y a quelqu'un qui sait dans la salle. Tu sais, toi? Bah, vas-y, réponds. J'ai peur que ce soit le 4 mai 1864. C'est ça. Le 4 mai 1864, et c'est un décret de Napoléon III, je crois, qui fonde la Société Générale pour le développement du commerce et de l'industrie en France, c'est ça? C'est son nom? Je crois. Donc, la Société Générale, c'est une banque très ancienne qui a traversé les siècles, les guerres, les crises, et qui a une particularité, pardon, aussi, c'est qu'elle a conservé pendant toute cette période son identité. C'est une banque qui ne s'est jamais rapprochée, qui n'a jamais fusionné avec un autre établissement de taille identique. C'est très rare, hein, aujourd'hui, vous en avez très peu. Et donc, cet établissement, cette banque très ancienne, a une activité de banque privée, vous le voyez, fondée en 1996. Donc, à l'échelle du temps de cette entreprise, ce n'est pas une activité si ancienne que ça. En fait, il y avait de la banque privée, mais pas sous forme de métier.
600 banquiers privés, 2500 personnes, 500 experts, 11 pays, plus de 120 000 clients, ainsi de suite. Voilà, je pourrais vous faire un catalogue de chiffres, je vais m'arrêter ici. Mais voilà, ça qualifie la Société Générale. Et si je devais dire, en banque privée, et si je devais dire quelle est notre force, qu'est-ce qui fait la différence quand moi je suis en face d'un client, quand j'étais en face d'un client, qu'est-ce que je lui disais à ce client, à ce prospect? Je lui disais, bah, écoutez, la Société Générale, d'abord, c'est une banque relationnelle. Ça revient sur mon premier propos. Deuxièmement, nous sommes des experts. C'est l'ADN de l'ASG. Nous avons une véritable expertise technique. Et elle est où, cette expertise? Produits structurés, wealth planning. Et on sait travailler les synergies à l'intérieur du groupe Société Générale. La banque privée de la Société Générale, elle est à l'intérieur du groupe. À l'intérieur du groupe, ça veut dire qu'on est capable de vous connecter, en tant qu'entrepreneur, par exemple, avec la banque d'investissement, le réseau de banques internationales, avec la banque de détail en France, avec le financement spécialisé, ainsi de suite. Voilà. Force de la Société Générale en banque privée. Là, vraiment, je pense que avec ça, vous avez tout. Et on va pouvoir passer aux questions. Je vous remercie de votre attention. Ah ben, allez-y. Allez-y sur toutes vos questions. Il n'y a pas de... Vous voulez un micro? Non? C'est bon? Il n'y a toujours que des Français dans la salle, parce que sinon, alors pour ceux qui ne sont pas Français, vous pouvez poser tout à fait vos questions en anglais et j'essaierai de répondre en anglais, évidemment, sans... à votre disposition. Comment? Yeah, for the English speakers, I will obviously take the questions in English and I will answer in English, no problem. Que pensez-vous des applications de banque en ligne comme N26 ou Revolut qui pourraient peut-être ou pas, selon vous, arriver sur le marché de la banque privée? D'abord, je pense que ce sont des modèles qui sont extrêmement intéressants, hein, objectivement, qui évidemment sont centrés aujourd'hui sur la banque de détail. Elles peuvent, je pense, arriver un jour dans la banque privée. Il y a un certain nombre de barrières à l'entrée, hein, dans ce métier qu'il ne faut pas sous-estimer et qui sont notamment des éléments de complexité réglementaire. Nos régulateurs considèrent que la banque privée, c'est à l'intérieur de la banque, dans le métier de retail, on va dire, de la banque de détail, c'est vraiment un segment à part, c'est un segment plus risqué, c'est un segment qui nécessite une surveillance particulière et qui est donc soumis à un certain nombre de contraintes spécifiques qui sont un peu différentes de celles de la banque de détail. Donc ça, c'est quand même un élément, évidemment, qui peut être une barrière en soi. Un deuxième élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les clients, nos clients, ils souhaitent du digital, mais ils souhaitent aussi du physique, hein. Ils aiment bien avoir un banquier privé en chair et en os en face d'eux, à un moment donné. Et les jeunes gens aussi. Moi, j'étais très frappé. On organise, si vous voulez, avec les enfants de nos clients, ou de très jeunes clients, des rencontres pour essayer de comprendre aussi comment ils voient ce métier et comment ils conçoivent leur relation avec le banquier. Et ce que j'entends quand même de ces témoignages, c'est on souhaite garder une relation humaine, physique, incarnée avec notre banquier. Ce sont des gens qui sont, on va dire, dans la trentaine, d'accord ? Donc on n'est pas ici, je dirais, dans une volonté de relation purement digitale. Un client privé, en général, il a 3-4 banques. Ça, faut pas oublier, parce que c'est un truc qui est... voilà, c'est une dimension qui est importante. Donc peut-être qu'un jour, dans ces 3-4 banques, il y aura une portion qui pourra être purement digitale. Peut-être ça qui va se passer. Aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc moi, je regarde ces deux acteurs avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect. On observe. Je pense qu'ils peuvent... Enfin, leur modèle, en tout cas, est intéressant pour nous dans ce que nous faisons en matière de digitalisation. Notre ambition au plan digital, c'est d'avoir digitalisé l'ensemble de la suite de services entièrement et ensuite, évidemment, de les connecter entre elles.
Alors vous avez peut-être entendu parler d'une offre qu'on a lancée l'année dernière, pardon, excusez-moi, c'était en 2018, qui s'appelle Sinoé. Est-ce que quelqu'un connaît Sinoé ? Vous en avez entendu parler ? Allez regarder, vous verrez, c'est intéressant. Sinoé, c'est quoi ? C'est de la gestion conseil entièrement digitalisée pour nos clients. Donc avec la possibilité de switcher sur le physique, évidemment, toujours cette promesse, hein, cette idée. Mais on est là, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, avec un mandat de gestion conseil, de proposer à nos clients, sur la base de leur portefeuille, de se confronter à un portefeuille modèle qui a été construit par la banque, et avec évidemment nos outils d'intelligence artificielle, de générer des propositions d'arbitrage autour de ce portefeuille, en langage naturel, de leur expliquer tout ça par rapport à la lecture, je dirais, de la banque, au sens de la stratégie, les marchés, l'évolution, tout ce que vous voulez, et de leur donner la faculté, s'ils le souhaitent, d'arbitrer digitalement sur leur appli le portefeuille. Ah, on en est là. Donc on sait faire ça. Aujourd'hui, c'est commercialisé. Alors on a démarré ça parce qu'on veut aussi co-construire avec nos clients, donc c'est que des fonds. C'est un arbitrage possible par mois. On a écouté nos clients qui nous ont dit « Je veux avoir tout ça possible sur mon mobile, mais je préfère pouvoir faire la transaction sur mon ordinateur. » Donc on est sur un process qui, de facto, se termine sur un ordi. Mais c'est en place. Vous voyez, donc là, la sophistication assez poussée, hein, parce que la gestion conseil, c'est quand même de la sophistication importante, elle est là. Et si le client souhaite repasser en physique, avoir accès à un gestionnaire, il le peut. Et donc on a mis en place la dérivation à tout moment, et aussi on a pu gérer tous les événements exceptionnels qui eux-mêmes, au travers de l'alerting, permettent de nouveaux arbitrages et ainsi de suite. Tout ça dans l'appli. Donc vous êtes client Société Générale, vous avez la meilleure appli du monde, et à l'intérieur de l'appli, vous avez Sinoé. Donc on crée le lien, si vous voulez, et puis derrière, bon, vous pouvez imaginer la suite, agrégation de comptes, wealth planning digitalisé, ainsi de suite. Je m'arrête là, mais voilà, c'est vraiment des sujets qui sont pour nous des sujets très importants et d'actualité. Pourquoi est-il intéressant pour un jeune diplômé d'école de commerce de travailler en banque privée ou en asset management comparé à d'autres secteurs comme le M&A par exemple ? Ah. Alors, qui veut faire du M&A dans la salle ? Oh, mais c'est pas tant que ça, on m'a dit qu'il y en avait plus. Ça fait 20%. Oui, qui dit ? Qui ose pas se prononcer ? Qui sait pas ? C'est bien, merci. Merci de votre franchise. Pourquoi c'est intéressant de faire de la banque privée ? Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire si on a envie d'un métier vraiment très relationnel, la banque privée répond à cette attente, hein, c'est clair. Si on souhaite, dans certains pans de l'activité, vraiment exercer une fonction d'expert, là aussi, la banque privée répond à cette attente. Donc je dirais que c'est des raisons pour moi assez fondatrices, hein, de l'intérêt de ce métier. Est-ce qu'il y a un âge, parce que je peux peut-être aussi le formuler comme ça, est-ce qu'il y a un âge pour faire de la banque privée ? Ben, moi je vois des banquiers jeunes, hein. Il n'y a pas d'âge pour moi. Il y a des spécialistes très jeunes, très bien, no problem. Mais de la même façon que moi j'ai commencé dans la banque d'affaires, la banque d'investissement, et j'étais vraiment le plus jeune des plus jeunes à l'époque, comme vous, sorti de l'école, et j'ai vu les clients finalement assez vite. Donc c'est pas un métier, banque privée, banque d'investissement, sont des métiers où on peut, à mon sens, quand même trouver la possibilité, si on aime la relation avec les clients, notamment d'être en face des clients relativement vite. Petit bémol sur le M&A, on en parlait tout à l'heure, parce que là, même si la banque va vous mettre en situation de voir des clients, le sujet auquel il faut réfléchir, c'est le nombre d'opérations que vous allez faire. Hein, parce que si vous faites que des pitchs, voilà, c'est sympa de faire des pitchs, mais c'est bien aussi d'en faire des deals. Parce que ça vous fait le cuir. Ça vous rend pertinent quand vous êtes en face des clients. Vous pouvez parler de vos expériences. Mais
pour avoir fait un peu de M&A, j'adore le M&A, c'est un super métier, et je comprends tout à fait que vous ayez envie d'en faire, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, revenons à la banque privée. Pour la banque privée, je trouve que c'est un métier qui peut tout à fait intéresser les jeunes gens autour des dimensions principales que j'ai mentionnées. Je ne parle pas de l'international, mais évidemment, ça va de soi. Les nationalités de clients qu'on couvre sont très variées. La banque privée de la Société Générale, c'est 64 nationalités de clients différentes, 120 000 clients. Donc, si vous voulez une ouverture internationale, par exemple, ça s'exprime au travers de la relation que vous pouvez avoir avec des clients qui ont des comportements, des cultures, des approches qui sont très différentes. Et enfin, une dernière question. Quelles sont les compétences que vous pensez nécessaires à acquérir pour les étudiants qui veulent travailler en banque privée avant de travailler plus tard en banque privée ? Être vous-même. Mais c'est une compétence universelle. Hein. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Allez au bout de vos rêves. Et faites ce que vous avez envie de faire. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. J'ai deux garçons qui sont étudiants, on en discutait un moment tout à l'heure. Je leur dis très souvent, mais fais ce que tu as envie de faire, ce que tu as vraiment au fond de toi. Et t'es sûr d'être très bon, et quel que soit le métier. Donc, qu'est-ce que je conseillerais ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment une réponse. Hein. Vous allez me dire, c'est un peu décevant comme réponse. Maintenant, en fait, profondément, c'est ma conviction. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine façon, ce sont des métiers qui peuvent être exercés comme généralistes, comme hyper spécialistes. Donc, vous pouvez y arriver avec une spécialité. Je suis juriste, je suis fiscaliste, je suis un spécialiste de la gestion, j'ai fait un master en gestion, peu importe. Vous pouvez commencer comme ça. Vous pouvez y arriver comme un généraliste. Les métiers bancaires, je sais ce que c'est. J'ai fait des stages dans les banques. L'exploitation bancaire, je connais. Et là, vous pouvez aussi vous exprimer. Vous pouvez arriver depuis la banque d'investissement. Pour vous donner ce témoignage, aujourd'hui, on a un certain nombre de spécialistes de marché, des activités de marché de la banque d'investissement, qui rejoignent la banque privée et qui sont extrêmement heureux de travailler dans ce continuum, parce qu'ils ont, par exemple, construit des produits, imaginé des solutions qu'ils ont vendues à des clients institutionnels. Ces clients institutionnels pouvaient être des banques privées, et là, ils passent de l'autre côté. Ils le vendent au client final. Et donc, ils ont une grande appétence, grand intérêt, grande motivation. Voilà, donc en tant qu'étudiant, moi, je retiendrai quand même le fond du fond, c'est quand même cette ouverture sur les clients finaux. Et c'est peut-être ça quand même que si je devais dire, c'est cette capacité à vraiment, engager une relation, être dans l'empathie avec les autres, qui est peut-être un élément très très fort en fait de ce métier. C'est le métier de la banque. Moi, j'en ai fait différents. Hein. J'ai les marchés, du M&A, equity capital markets, debt capital markets, les financements structurés. Et j'ai trouvé que ce métier de banque privée, gestion avec Lyxor, c'était quand même le métier où on était peut-être le plus proche des clients finaux. Cette immense proximité avec les clients qui est... Et d'ailleurs, il faut faire attention à ce que les banquiers ne basculent pas complètement du côté des clients. C'est un sujet en soi. D'accord ? Donc il faut absolument, parce que à force d'être très proche des clients, on peut venir à défendre les intérêts des clients sans être dans l'équilibre avec la défense des intérêts de la banque. Donc il faut être dans ce respect, dans cet équilibre, qui est très très important. Respect des règles, donc éthique, conduite, qui s'exprime évidemment totalement dans ce métier comme ailleurs. Alors, la baisse des marchés, fin d'année, c'est pas facile. C'est pas facile, mais moi, alors là, je suis. J'ai été confronté à quelques situations hein, en direct. Parce qu'en général, et c'est normal, c'est le rôle des responsables, hein, quand c'est difficile, quand ça tangue avec des clients très importants, très stratégiques, les responsables, les patrons, ils doivent être en face des clients. En tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois mon rôle. Donc, je me suis retrouvé dans ces situations en fin d'année. Et là, je crois qu'il faut être, absolument dans l'honnêteté avec nos clients. Voilà. Et il faut objectiver la performance. Qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est un pur effet de marché et qu'est-ce qui est lié
à finalement la qualité de notre gestion. Voilà. Et quand c'est pas bon, faut le dire. Et amener la solution. Donc voilà, donc il nous est arrivé d'être dans des situations où la performance, au-delà de la baisse des marchés, était médiocre. Et donc là, c'est toute la force de la relation avec les clients. Si vous êtes dans la vérité, si vous êtes voilà, dans l'honnêteté, dans l'approche de l'analyse, de la performance, et que vous trouvez les voies pour redresser cette performance, nos clients, ils nous sont très fidèles et ils nous font confiance. Et donc voilà, bah, par exemple, une situation que j'avais en tête, une situation dans laquelle on a fait un diagnostic avec le client sur la performance de la portefeuille, sur la qualité de nos gestions, en disant qu'on avait raté un certain nombre de fenêtres, par exemple, à certains endroits, qu'on aurait pu être meilleur. Et on a décidé ensemble de modifier la façon dont on allait gérer son portefeuille. C'était un portefeuille de gestion déléguée, d'un commun accord, modifier le profil de risque et modifier l'approche, les produits choisis. Voilà. Donc c'est dans cette situation, qui était une situation difficile, on a eu ce dialogue et c'est comme ça qu'on gère. Et donc ça veut dire le gérer à l'unité. D'accord ? Donc là, il faut être très présent avec ses clients et puis réagir vite avant que, quelque part, la frustration ne s'installe. Donc ça nécessite, dans ces périodes-là, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie pour objectiver les choses et puis trouver les raisons quand ça ne marche pas. Mais il nous arrive aussi d'être meilleurs que les autres. Hein. On a eu aussi des situations où les clients, quand je le disais tout à l'heure, 3-4 banques, ils sont aussi capables d'objectiver la performance relative des établissements financiers avec lesquels ils travaillent. Donc on a eu aussi ces situations beaucoup plus favorables, plaisantes, je dirais, où le client nous dit « Ah, pas mal, vous en êtes bien sorti. » Bah ça nous, quand nos clients sont pas contents, ça nous embête. Hein. C'est oui. La relation, elle est au cœur de notre métier. Je le disais tout à l'heure. Donc oui, bien sûr. Ça nous, on doit gérer les insatisfactions. Ça fait partie du métier. Normal. Mais notre objectif, c'est de faire croître la satisfaction client. Et on sonde d'ailleurs la satisfaction de nos clients très régulièrement, tous les ans. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne le métier de banque privée, la satisfaction des clients de la Société Générale a augmenté sur l'année dernière. Voilà. Mais oui, on se sent concerné. C'est normal, je dirais. Il faut l'être. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, vous avez le micro, puis je vais... Madame, monsieur, après, on passera comme ça. Je suis pas obligé de parler. J'avais une question au sujet de... Alors, je remarque que votre direction de l'innovation semble relativement active. Oui. Je peux imaginer... Enfin, j'ai pu voir qu'il y avait un certain nombre d'événements autour des startups. Il y a beaucoup de sourcing. Je voulais savoir dans quelle mesure, en fait, il y avait des synergies entre la direction de l'innovation et le private banking, pardon, en sachant que ce sourcing peut intéresser des clients à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement. Oui. Est-ce que ces deux départements communiquent ? Totalement. Et moi, je sponsorise des startups. Et vous sponsorisez oui, des startups ? Oui, à titre personnel. Je sponsorise une initiative sur la blockchain. Vous voyez, c'est un peu loin, en théorie, en fait, pas tant que ça, mais ça peut être considéré comme un peu loin en théorie de la banque privée. Et je co-sponsorise ça avec le patron du custody, et on a des use cases qui vont de debt capital markets à structuration sur des exotiques. Je veux dire, c'est... voilà. Et puis, c'est très important d'établir ces ponts. Extrêmement important d'ouvrir sur d'autres perspectives, parce que ça permet de réfléchir le métier autrement, avec d'autres logiques, d'autres techniques qui vont trouver leur cas d'application. Donc, moi, j'adore, hein. Et plus concrètement, est-ce qu'il y a des partages de fichiers, de bases de données, notamment de clients, si je fais un use case très simple, je suis client de banque privée, je sais que vous sourcez des super startups sur la blockchain, est-ce que je peux avoir accès aux fichiers, est-ce que je peux... Ah,
concrètement rentrer d'accord. dans le, oui. dans la production. Est-ce que vous voudriez être un co-actionnaire, par exemple, de nos startups, par exemple? Alors, on peut envisager de les ouvrir, mais notre initiative est pour l'instant relativement interne. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle ISC, Internal Startup Core. D'accord. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de tabou là-dessus et il est possible de mettre en connexion des clients, mais de différentes façons d'ailleurs. Ça peut être par le haut, mais ça peut être aussi en tant que user. Hein. Parce qu'un client entrepreneur qui est client de la banque privée, dans son business, il peut être un user d'une start-up du groupe. Hein, voilà. Donc ça joue, hein, ça peut le faire. Mademoiselle. Oui. Alors, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'ai une question concernant l'avenir en fait, de la Société Générale et la place de l'asset management et du private banking dans le plan stratégique futur. Donc, récemment, ouais. vous avez eu des résultats globaux plutôt décevants. Et oui. quelle place va prendre le private banking et l'asset dans un contexte de croissance, justement? Alors, pour nous, la gestion de l'épargne, c'est quelque chose qui est tout à fait stratégique. Donc, ces métiers ont tout à fait leur place au sein du groupe Société Générale. Vous pouvez regarder la dernière interview de Frédéric Oudéa au journal Les Échos, et il répond de façon très claire, à notamment une question qui avait été posée sur l'IXOR donc concernant l'asset management. Et pour la banque privée, la banque privée, vous pouvez regarder le modèle en fait, français de banque privée, c'est tout à fait intéressant. On l'a complètement intégré à l'intérieur du réseau de banques de l'État, tout en faisant une activité, une expertise dédiée. Et alors que des établissements avaient plutôt tendance à remonter les seuils de segmentation, recentrer leur activité, en 2014, on a décidé de faire exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire d'aller en région, de s'implanter en région, physiquement, avec des banquiers privés. Et on a généré d'ailleurs des taux de croissance, vous pouvez regarder cette banque privée en France, qui sont assez significatifs, et une rentabilité forte, et qui est, je dirais, porteuse elle-même de développement futur. Et on l'a annoncé, hein, c'est public, aujourd'hui dans une situation où on passe à une nouvelle étape du développement de la banque privée en France, c'est-à-dire que je vous ai expliqué tout à l'heure que les seuils de segmentation de la banque privée pour la Société Générale démarrent à 500. En fait, on va, dans un modèle en B2B2C, apporter notre expertise sur le segment du dessous, c'est-à-dire 150 à 500, qui fait 65 milliards d'euros, qui est à peu près la taille de la banque privée actuelle en France, taille identique, donc ça veut dire plus de 120 milliards d'euros d'actifs sous gestion, pour apporter cet élément de service supplémentaire à la clientèle du réseau, dans ce modèle un peu différent que l'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc la banque privée, elle a toute sa place, et vous voyez, elle a des perspectives de développement dans un modèle qui est très intégré au groupe. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Ariel, étudiant en master spécialisé en ingénierie financière. Oui. En fait, moi, je voudrais plutôt vous parler de votre transition en fait, des marchés de capitaux, donc dette et equity, oui. au métier de la banque privée. Oui. Donc, je voudrais savoir comment ça s'est fait, tout simplement. Parce que je ne pense pas que... Enfin, je suis patient, mais je suppose que ce n'est pas au centre de votre métier, les marchés de capitaux. Ça reste quand même un sujet. Alors, comment ça s'est fait c'est un concours de circonstances, mais là, je vais revenir plus sur mon parcours personnel et peut-être vous dire un mot. Donc, moi, je sors du master d'ingénierie financière de l'EM Lyon. Donc, on est en 1991, 90-91. Et je pars au Japon faire ma coopération où là, j'ai passé 2 ans au sein de la Banque Indosuez à faire des financements aéronautiques. Donc, on est très, 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 très loin de la banque privée, vous voyez. Et géographiquement, on est assez loin d'Europe aussi. Et, oui ? Ah oui, VIE. Ok, d'accord, VIE. Excusez-moi. C'est plus simple. VIE, c'était, à moi, les fois, c'était VSNE, je pense. VSNE, pardon. VIE. Voilà, donc VIE, je rentre en France, plusieurs candidatures, la Société Générale. Et que me propose la Société Générale ? De travailler en financement aéronautique. Or, j'avais envie de faire un peu autre chose. Et ça, c'est la grande force de cette maison, c'est qu'ils ont détecté ça et qu'ils m'ont proposé quelque chose de différent qui était d'intégrer les activités des missions d'action, plutôt que de me voir aller ailleurs.
Et donc, j'ai intégré le département des émissions d'action. Et en l'occurrence, le département des émissions d'action de l'époque, c'était les privatisations. Il y avait pas mal de M&A. C'est là où j'ai fait un peu de M&A. Et puis, les OPA, les évaluations d'entreprise dans le cadre de ce qui allait être plus tard les retraits de cotes, retraits obligatoires, ainsi de suite. Offre d'échange, tout ce qu'on veut. Donc mon background a été celui-là. Et quelque part, la formation, les premières expériences professionnelles ont construit un socle de connaissances sur les marchés de capitaux. Après, j'ai été donc le responsable des émissions d'obligations convertibles de 1999 à 2004. Puis après, de 2004 à 2006, le responsable des émissions obligataires corporate. De 2006 à 2008, le patron d'Aide Capital Market Global pour le groupe. De 2008 à 2012, le responsable adjoint des financements structurés. Puis après 2012... patron de la banque privée, et ensuite Wealth and Asset Management. Donc, ça s'est construit, on va dire, par strates de compétences successives, mais derrière, avec quelque chose de, qui, pour moi, était peut-être le, voilà, ce qui m'a permis de me sentir vite, très bien dans le métier de banque privée, c'est la relation client. J'ai eu cette chance de voir très vite des clients et de me développer personnellement, quel que soit le produit, quelle que soit la compétence dans cet exercice, en fait. Et voilà, donc je l'ai exercé dans le monde entier, avec des cultures très différentes, des approches très, très différentes. Et quand je suis arrivé dans la banque privée, j'ai pu retrouver ça. Vous voyez, 64 nationalités de clients. Quand vous êtes en face d'un client singapourien, d'un client espagnol, allemand, que sais-je, Vous avez un fonctionnement, une approche qui est et qui m'intéresse en plus, moi. Donc c'est un peu pour ça aussi que probablement j'ai spontanément été intéressé par ce type de métier. Donc la compétence capital markets et l'intérêt pour les clients, la relation clientèle. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut autant faire des transitions que les métiers comme ça, surtout en France, où on est facilement, on a facilement des étiquettes de ce métier? Oui. Alors, notre directeur général, Frédéric Oudéa, est très, 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 très partisan de ce type de parcours, en fait. Et il pousse beaucoup à des parcours variés à l'intérieur de la banque. Donc, ça peut être sur des métiers de front, mais aussi en passant du front aux fonctions support. Et vous regardez un certain nombre de profils à l'intérieur de la maison et vous allez voir ces parcours. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Diony Lebeau, qui est directrice générale déléguée du groupe Société Générale, était l'ancienne directrice des risques. Avant la direction des risques, elle était l'ancienne responsable du coverage. Et elle était aux États-Unis, patronne des US. Et elle a fait des financements structurés. Et donc vous voyez un parcours, un super parcours, qui illustre, je crois, très bien cette possibilité d'avoir une exposition à différents métiers et qui, dans une industrie bancaire qui est quand même très complexe, réglementairement complexe, avec une variété d'approches, de métiers, je pense est un atout quand même. Donc je ne crois pas, d'ailleurs, quand je regarde nos concurrents, qu'il y ait aujourd'hui, je dirais, de façon déterminée, une logique, je dirais, de silo dans les carrières. Et à mon avis, cette forte conviction qui est la nôtre, elle est partagée par un certain nombre d'autres établissements. Donc en allant dans ces métiers-là, je pense que vous pouvez tout à fait ambitionner de ensuite aller ailleurs, faire d'autres choses, en fonction de vos aspirations profondes. Mais si vous êtes, et si vous avez envie d'être un hyper spécialiste, moi j'en connais aussi beaucoup, des gens qui sont très seniors dans la banque et qui ont été dans une direction et qui ont cultivé et qui sont les spécialistes de leur domaine et qui sont géniaux, fantastiques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je pense qu'on peut être un hyper expert et on peut être un manager expert. C'est possible aussi. Monsieur, et puis il y a plusieurs questions après, par là. Alors, j'aimerais retourner un peu plus sur le métier. La France est championne des assurances vie. Donc, il y a une certaine frilosité des épargnants à aller vers des produits un peu plus complexes. Mmh. À quoi est-ce que vous pensez que c'est dû et qu'est-ce qu'on mettait en place pour pallier à ça, justement?
Ah ben, il y a l'attrait en tant que tel de l'assurance vie, fiscalité, le rendement alors garanti au sens où le taux est fixé une fois l'an, mais quand même globalement, quand vous regardez les dernières années, il est quand même sur des niveaux qui sont tout à fait satisfaisants en termes de rentabilité. Donc vous avez cet élément-là hein, qui est très fondateur, qui est la rentabilité financière, on va dire, du produit, puis la fiscalité qui est attachée à cet instrument. Vous avez aussi, évidemment, la dimension de transmission. Ça en fait un produit extrêmement efficace. Et puis moi, j'y rajoute une dimension culturelle. C'est-à-dire que, vous voyez, on retombe sur ce que j'exprimais tout à l'heure. Un Anglais, il est plus spontanément orienté sur les actions. Un Allemand, sur les obligations. Et le français, c'est quand même de l'oblique dans l'assurance vie. Si je caricature, c'est voilà, c'est un peu comme ça. Alors c'est des tendances très macro que j'exprime ici, mais quand même, il y a des habitudes. Le livret A, le contrat d'assurance vie, vous avez des choses qui sont très profondes, très profondément ancrées. Et d'ailleurs, on le voit, les assureurs font des efforts énormes pour transformer les contrats euros en unité de compte, hein, c'est-à-dire des actions. Ou ce qui peut être assimilé à des actions des fonds. Mais ce n'est pas fondamentalement, un exercice simple, même si on a beaucoup progressé, même s'il y a eu des taux de transformation ces dernières années qui ont été importants, aidés par, évidemment, la baisse des taux. Voilà. Donc c'est ça, je pense, qui fait le succès démontré de ces contrats. Ils sont très efficaces. Alors, est-ce que la loi Pacte va modifier ça? C'est pas impossible. Je pense que le législateur peut, évidemment, par les modifications qui pourront être mises en œuvre, changer un peu les comportements. Mais ça prendra du temps. Ça va pas se faire soudainement, ça. Alors, il y a d'autres questions par ici. Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour. Merci déjà d'être venu aujourd'hui pour tous ces renseignements. Donc moi, ma question, c'est à nouveau une question de comparaison entre du coup la banque privée et les autres métiers de la banque, mais cette fois plus en ce qui concerne les horaires et la possibilité d'avoir une vie familiale à côté. Puisque vous êtes passé par tous les services, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ça ? Je ne suis pas passé par tous les services. Loin de là. Les horaires. Alors, c'est une. Moi, alors je vais vous dire comment je fonctionne par rapport à ça. Je vais vous répondre. Sincèrement, ça compte pas. Ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité et puis c'est le plaisir. Je préfère 10 fois des gens qui sont à la limite physiquement peu présents et aujourd'hui avec le télétravail. On a, avec la mobilité, avec les flex office, on a des tonnes et des tonnes de possibilités qui font qu'on aborde le travail très différemment. Le pointage et le comptage des heures qui peuvent être extrêmement inefficaces si il y a des réunions énormes avec des gens qui ne décident pas. Ça c'est ma relation au temps de travail, si j'ose dire, à titre personnel, et c'est celle que j'exprime vis-à-vis des gens qui sont mes employés, si j'ose dire, ou les collègues, collaborateurs avec qui je travaille. Est-ce que la banque privée, c'est un métier où on peut, gérer un équilibre de vie entre son temps de travail professionnel et son temps personnel? Je pense que oui. Mais je dirais ça de... Vous voyez, je dirais ça de... Beaucoup de métiers, quand même, hein, dans la banque. Moi, ce que j'ai fait, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir tout abandonné pour mon travail. J'adore mon entreprise. Je suis extrêmement attaché à la Société Générale. Ça, je ne veux pas vous raconter d'histoire. J'ai une passion pour cette maison. Mais j'ai aussi une vie personnelle. Et ça compte énormément pour moi. Et cet équilibre-là, en tant que dirigeant, il est fondamental. Si je n'avais pas ça, je pense que je ne serais pas probablement efficace. Donc je vous encourage à vivre dans cet équilibre. Mais vous voyez, quand la passion est là, moi, j'exerce mon métier, je suis passionné par mon métier,
je compte pas mes heures, mais j'ai autre chose. Et cette autre chose, il est très important, et je sais qu'il est très important pour bien faire mon travail. Oui ? Bonsoir et merci de votre intervention. J'avais deux questions. La première portait sur le poaching de clients à la Société Générale, savoir si ça se faisait en interne, par exemple des clients d'autres structures de la SOG qui étaient après rapatriés en banque privée, ou alors ça se faisait de l'extérieur, parce qu'on a vu notamment chez UBS ou HSBC qu'ils avaient été mis en cause pour du poaching illégal de clients. Alors, poaching en anglais, hein, donc de la captation de clients, c'est ça ? Ok. On a des concurrents. Donc, notre intérêt, c'est quand même d'avoir plus de clients et de faire plus de choses avec eux. C'est surtout de faire beaucoup de choses avec eux. Et vous avez vu ce que j'ai exprimé tout à l'heure, il y a beaucoup de produits, beaucoup de solutions. Et en fait, un des sujets clés dans la banque privée, c'est quand on a un client, faire le maximum de choses avec lui ou avec elle. C'est très, très important, ça. Donc, je ne sais pas si c'est le nombre en tant que tel, mais en tout cas, c'est vraiment l'intensité de la relation. Et oui, il nous arrive fréquemment de conquérir des clients qui viennent de nos concurrents. Oh, oui, bien sûr. Et alors, on a des techniques. Donc, je vais expliquer le modèle Société Générale en banque privée. Hein, on va rester sur la banque privée. C'est le wealth planning. Pourquoi ? Donc, l'ingénierie patrimoniale. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la dimension conseil au cœur. Et on va la chercher notamment chez les entrepreneurs. Parfois, on peut être pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, voire plus, avec un entrepreneur qui a son entreprise, qui réfléchit à la transmettre, qui veut avoir un interlocuteur de confiance pour aborder toute une série de sujets autour de ça, pour prendre cet exemple. Et le jour où ça se fait, il a vendu son entreprise, il a transmis, il met son argent où ? Chez nous. Voilà. Et il peut être chez une autre banque. Par ailleurs. Mais quand il fait cette action-là, il l'a fait chez nous. Et on en a fait un vrai modèle, en fait, de conquête de clients. Donc chez nous, les wealth planners, ils font que des clients nouveaux, que des prospects. Et quand le client a été séduit et qu'il arrive à la Société Générale, un banquier privé devient en charge de la relation, le wealth planner se met en retrait, il continue à suivre, bien sûr, parce qu'il y a toujours des sujets qui peuvent arriver, bien sûr, mais c'est comme ça le modèle. Vous voyez, donc on a une vraie, en fait, on a une vraie dynamique de conquête de clients autour de cette activité de conseil en ingénierie patrimoniale. Et le fait d'avoir des clients comme ça sur plusieurs... J'ai pas répondu sur l'interne, parce que votre question était double, je suis désolé. Oui. Vous voulez que je réponde ? Oui, je viens. Ok, donc ça c'était sur l'externe. Sur l'interne, on facilite beaucoup la transmission de l'utilisation et la transmission de relations. Prenons un exemple. Un cadre dirigeant d'une grande entreprise suivi par la banque d'investissement de la Société Générale. Il y a un moment donné, ce monsieur, cette dame, il a les sous. Et au travers de cette relation corporate, le banquier conseil peut être amené à lui proposer de rentrer en contact avec la Société Générale. Et donc là, on a une relation corporate qui va s'accompagner, se doubler d'une relation en banque privée. On va créer évidemment les murailles de Chine, parce que ce qui est évidemment très important, c'est d'établir la séparation nette entre les deux mondes. Quand on est en phase d'entrepreneur, la séparation, elle est parfois un peu plus complexe. D'accord ? Quand vous êtes un entrepreneur, vous avez créé votre boîte, vous avez souvent une holding qui détient la participation dans l'entreprise. Et la séparation entre le professionnel et le privé, c'est parfois pas super clair. En tout cas, c'est pas forcément hyper scindé. Et c'est évidemment là qu'on peut avoir des situations où on a besoin d'avoir des banquiers qui ont la double compétence. Donc on a créé pour
certaines typologies de clients, des banquiers qui sont à la fois des banquiers d'investissement, mais qui ont une expérience très fine de la banque privée et qui travaillent juste à la jointure pour faciliter ce transfert. Autre exemple, vous êtes dans la banque de détail, dans le réseau. Vous êtes un étudiant. Vous démarrez votre vie professionnelle. Vous êtes hyper successful. Je vous le souhaite tous. Vous allez l'être. En arrivant à l'EM Lyon, c'est sûr. OK. Le banquier, dans votre agence, un de ses jobs aussi, c'est de détecter le talent chez vous. Et à un moment donné, il va passer la balle à son collègue de la banque privée. Parce que vous êtes rentré dans la cible, vous avez le potentiel et vous allez être pris en charge. Donc ce transfert-là, il existe, il est très intéressant et très spontané et il est très utile. Et vous voyez que c'est là que la relation, la qualité de la relation entre le réseau de banque de l'État et la banque privée est essentielle. Parce que si la relation n'est pas super soudée, super forte, alors on a beaucoup travaillé ça entre nous, eh ben, ces transferts-là, ils ne se font pas spontanément. Et pourtant, ils sont hyper importants. Donc, entre les intérêts, par exemple, d'un dirigeant d'une société cotée, ses intérêts personnels, et les intérêts de l'entreprise, il ne va pas y avoir de communication au sein de la Société Générale. Si le client le veut. D'accord. Ça dépend. Et nous, on doit faire très attention, évidemment, aux règles de conformité. Donc, parfois, le client va le vouloir et on va lui dire que ce n'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, et sans hésiter. Mais vous pouvez avoir des clients qui disent « Attendez, moi, je veux un seul banquier, un seul interlocuteur dans l'entreprise, dans la Société Générale. Je veux un seul point d'entrée. » On s'organise. Mais on va quand même faire très, très attention, même s'il n'y a qu'un seul point d'entrée, à dissocier ce qui est du ressort de la gestion privée et de ce qui est du ressort de la vie de l'entreprise. Et il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres. Et vous voyez, on touche là à quelque chose qui est essentiel, c'est la culture risque. On n'en a pas parlé. Mais pour bien exercer le métier de banquier privé, il faut avoir une partie de son cerveau qui on va dire, cortiquée sur la relation client et l'autre partie de son cerveau qui est hyper pointue sur les risques. Risque de conformité, risque de crédit éventuellement, un peu moins dans la banque privée parce que les opérations de crédit sont des opérations très sécurisées. Mais beaucoup le sujet du risque de la conformité. Et ça, il faut absolument le tenir bien. Et donc on touche là ici à la conduite, à la culture, à l'éthique, des choses qui sont essentielles et qu'il faut incarner individuellement, collectivement pour l'entreprise. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'avoir été aussi précis et concis. Merci. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. Écoutez, c'est un immense plaisir pour moi d'avoir été devant vous ce soir. Bonne soirée.